Alors Michel Soyer, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous êtes l'organisateur de ce que l'on appelle les mardis soirs du Fouquet. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Eh bien, chaque mardi, nous organisons un cocktail au Fouquet, au bar de l'Escadrille, qui est le bar historique fondé en 1914 pour célébrer les As de la Grande Guerre. Vous êtes ici dans un lieu monument historique classé par Jack Lang. Et qui a fêté ses 100 ans, je crois, en 1999. Tout à fait. J'y étais. Vous y étiez. Oui. Et non pas en 1914, j'ai eu peur. Non. Et donc chaque mardi, nous accueillons ici des créateurs, donc peintres, sculpteurs, photographes, signatures de livres, lancement de magazines, joailliers, qui permettent de faire un fil rouge, car l'idée des mardis du Fouquet, c'est en fait de refaire vivre la Café Society des années 30, quand il y avait des intellectuels dans les cafés et que les gens venaient rencontrer un côté culturel, puisque je pense qu'aujourd'hui, on aime bien prendre un verre, on aime bien s'amuser, mais il faut qu'il y ait un prétexte un peu culturel, et donc c'est ce que nous apportons, et chaque semaine, nous avons un créateur différent, et aujourd'hui, c'est du chocolat. Voilà, j'allais dire ce soir le prétexte culturel, parce que le chocolat a toute une histoire, c'est le chocolat, et pas n'importe lequel, c'est le chocolat de Victoire Finas, le chocolat à Banico. Absolument. Alors Victoire, on l'a trouvée d'abord très sympathique et très gentille. Deuxièmement, elle fait un travail extraordinaire parce que son chocolat est très bon. Il est à manger par petite partie parce qu'il est très fort, donc beaucoup de goût. Hein. Donc ce n'est pas tout le chocolat qu'on achète à grande surface, c'est un chocolat de création. Et on a décidé eh bien, de la mettre en avant et de présenter à nos amis qui viennent nous voir son travail. Et je pense qu'elle va tout à fait bien le faire vivre car elle est passionnée. Et passionnante, et elle donne envie de mettre un peu les doigts dans le chocolat. Alors, Michel, je vous propose de nous emmener. Vous voulez bien qu'on rentre avec vous au Fouquet? Eh bien, absolument. Alors c'est voilà. Parti, on vous suit. On y va. Donc, on va découvrir on est donc ce tapis rouge avec toutes les stars. Bon, là, ça y est, nous y sommes à l'intérieur du Fouquet. Absolument. Et nous allons arriver donc regarder au bar de l'Escadrille, le fameux bar mythique, mon cher Michel, dont vous nous parliez il y a quelques instants. Alors, je vais vous présenter une personnalité qu'il faut connaître. Monsieur Marquis, voilà, donc le Marquis de Breteuil, bonjour, qui donc accueille donc l'exposition du chocolat, les tables chocolatées. Les tables chocolatées, absolument. Au château de Breteuil. Absolument. Donc je vous laisse expliquer très rapidement. Alors monsieur le Marquis, le château de Breteuil, c'est environ combien? Une quarantaine de kilomètres de Paris, je crois. 35 kilomètres de Paris, dans la vallée de Chevreuse. Donc très facile à trouver, à côté de Versailles, à côté de Rambouillet. Et on y vient pour le visiter, pour l'admirer? On vient pour le visiter tous les jours, toute l'année. On a un grand parc de 75 hectares. On a un château, on évoque avec beaucoup d'objets, de tableaux, l'histoire de ma famille, des Marquis de Breteuil, et l'histoire de la France, avec des personnages du musée Grévin. Et puis nous avons aussi les contes de Perrault, l'évocation de... Les fameux contes de Perrault, les fameux contes de Perrault. C'est un château qui date de quel siècle? Il est du XVIIe siècle, de 1610 exactement. Et l'intérieur est très 18e, avec des boiseries du 18e, dorées, etc. Et puis il y a des très beaux objets. Et puis alors cette année, nous accueillons, depuis aujourd'hui même, à Breteuil, les 20 plus prestigieux chocolatiers français, qui ont chacun, c'est un parcours de table. C'est-à-dire dans le château, on va retrouver dans les pièces du château, visitées, dans une vingtaine de pièces, les plus grands chocolatiers ont décoré une table. Alors est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de Bien grands sûr. Chocolatiers? Alors on a d'abord Albanico. Qui est Albanico, avec absolument, avec Victoire Finas, qui est aujourd'hui présent au Fouquet. Voilà, qui est là ici pour vous renseigner. C'est un merveilleux chocolat que j'ai goûté hier. Alors nous avons également Boissier, qui est là. Absolument, la maison Boissier, très réputée. Très réputée, avec ce bleu, ce très joli bois bleu. Nous avons Chalus, qui est un très bon chocolat. Patrick Roger, absolument. Victor Hugo, qui est là. Un autre qui est très connu, qui est Jean-Paul Évin. Absolument. Qui nous a fait un globe terrestre avec une carte du monde. Vous avez vraiment les plus grands noms. On a vraiment les plus grands noms. Ceux qui sont chaque année également au Salon du Chocolat de Paris. Exactement. Exactement. Et alors, il faut dire que cette exposition a été organisée par une amie qui est aussi à la fois journaliste et qui a écrit beaucoup, notamment sur le chocolat, qui s'appelle Michel Villemur. Et c'est elle qui est bien connue dans tout ce secteur gastronomique, qui a groupé tous ces chocolatiers pour nous, qui va arriver d'une seconde à l'autre, et qui a fait cette belle exposition, constitué cette belle exposition à Breteuil. Monsieur le Marquis, vous êtes vous-même un gourmand de chocolat. Vous nous avez dit il y a quelques instants que vous aviez goûté celui d'Abanico. Oui. Mais en général, vous en mangez chaque soir, tous les jours? Écoutez, je crois que je mange un petit morceau de chocolat tous les jours, et j'aime beaucoup le chocolat noir, personnellement. Le et on dit pur. Que plus il est noir, moins on grossit. Et moi, j'aime carrément le chocolat noir,
75%, 80% de cacao. Alors qu'ils viennent. Hier, nous avions pour l'inauguration Michel Soyer, bien sûr, et puis la préfète des Yvelines, et puis aussi l'ambassadeur de Madagascar. Vous savez qu'il y a du chocolat qui vient de Madagascar, mais j'aime beaucoup tous les chocolats qui viennent de Papouasie, qui viennent du Venezuela, qui viennent de Madagascar. Et c'est aussi une histoire, le chocolat, parce que vous savez que le chocolat est venu du Mexique. C'est les Espagnols qui l'ont découvert au Mexique et ont goûté cette boisson un peu bizarre qui s'appelle chocolat, je crois, un nom un peu spécial, et puis c'est devenu le chocolat. Et nous avons d'ailleurs une scène historique qu'on a constituée au château de Bretagne. Au château de Bretagne, toujours, mais dans le Colombier, nous avons reconstitué une chaîne qui s'appelle le déjeuner de chocolat de Louis-Nicolas de Bretagne, qui était un ministre de Louis XIV. Et on voit mon aïeul en train de déguster du délicieux chocolat avec une chocolatière en argent, bien entendu. Alors ça, c'est en miniature, c'est une maquette, mais ça fait partie d'une exposition dans le Colombier médiéval, une exposition qui s'appelle « Breteuil à table ». Et alors, je voudrais ajouter pour le chocolat, pardon, que nous avons ce week-end à Pâques la chasse aux œufs, la célèbre chasse aux œufs pour tous les enfants, adultes, etc. Nous allons cacher au long du week-end 12 000 œufs de Pâques. Eh bien, dites donc, il va y avoir du monde pour venir les chercher. Oui, hein. Il y aura certainement au moins 3 000 personnes le dimanche. Est-ce que vous les aiderez avec quelques petits indices? On va les aider. Et puis, en plus, on a des jeunes bénévoles animateurs et on ne veut jamais qu'un petit enfant pleure parce qu'il n'a pas trouvé d'œuf. Donc, on s'arrange toujours pour au moins indiquer un œuf facile à celui qui est un peu malheureux de ne pas en trouver. Tout le monde, on garantit un œuf par personne au moins. Monsieur le marquis du château de Breteuil, nul doute que vous êtes intarissable à la fois sur l'histoire du château, sur le chocolat. Et nous allons, si vous le voulez bien, vous quitter pour donner l'antenne à d'autres invités. Merci. Et puis on n'oubliera pas de venir vous visiter, bien sûr, pour ce week-end de Pâques. Ça sera très très bien. On aura les clubs Rolls-Royce. En plus. Il y aura des Rolls-Royce dans toute la cour du château. Alors on aura une impression de luxe et d'excellence, comme ici au Fouquet's, avec vous. Merci, monsieur le marquis. Merci, cher monsieur. Merci à vous. Jean-Yves Leranguer, qui est le chef du Fouquet's, est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, chef, une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'on mange beaucoup de chocolat au Fouquet's? On a toujours mangé du chocolat au Fouquet's et c'est le dessert préféré en général des hommes. Un homme... Ah, pas des femmes, tiens, c'est curieux. Les femmes également, mais un homme va automatiquement prendre du chocolat sur la carte. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme dessert au Fouquet's à base de chocolat, une spécialité? Oui, nous, on a le pavé au chocolat qui est depuis tout le temps. C'est un incontournable du Fouquet's. Et puis autrement, on a des desserts qui varient avec... on fait beaucoup de Valrhona, pour pas dire de... Avec du chocolat de bonne qualité. De très bonne qualité, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes chef au Fouquet's? Ça fait 8 ans. 8 ans déjà. Vous avez dû en voir passer du beau monde, chef. Oui, c'est vrai, c'est fabuleux et c'est extraordinaire le nombre de personnes qu'on peut rencontrer. C'est un lieu de rencontre, hein, le Fouquet's. Hein. Et alors, combien de personnes travaillent en cuisine et au laboratoire de pâtisserie? Nous, on est 70 personnes en tout, et il y en a 63 en cuisine et 15 en pâtisserie. Merci, chef, d'avoir répondu à ces quelques questions pour canal2vtv.fr. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est une tête que nous connaissons bien dans le milieu du chocolat, de la pâtisserie. C'est Franck Lacroix, du journal du pâtissier. Franck, vous êtes toujours là au bon rendez-vous. Hein. Absolument, c'est mon métier, c'est ma joie. Alors, vous venez couvrir l'événement de ce soir pour le journal du pâtissier, c'est ça? Je viens voir ce qu'il en est d'une nouvelle marque de chocolat. C'est à Banico, autant dire. Charmante jeune fille qui semble avoir des intentions louables, avec de la qualité, quelques éléments de pointe de sel avec du caramel, ça c'est toujours pour nous plaire, et puis qui va présenter du chocolat selon les caractères et les personnalités. Comme elle est titulaire d'un master de psychologie, j'aimerais bien savoir comment elle est déterminée ça. Ça s'arrête. Alors Franck, vous qui êtes dans toutes ces belles soirées sucrées, salées, qui rencontrez beaucoup de gens justement, est-ce qu'on vous a parlé d'ores et déjà dans ces soirées de cette marque à Banico? Pas du tout. Je tiens à vous. Donc ça mérite d'être connu alors? Alors ça mérite ça, vous vous engagez. Il faut goûter les produits avant de voir si ça mérite quelque chose. Et votre serviteur qui vient d'y goûter trouve ça vraiment très très bien. Oui, mais vous êtes un petit jeune, Christophe, si je puis me permettre. Vous démarrez dans le chocolat. J'en ai 15 ans derrière moi. 15 ans, ça fait... Vous savez que votre serviteur en a autant à votre service. 16 ans de salon du chocolat, c'est pas rien.
C'est vrai. Ah, auquel cas... Je vois que pour un journaliste, vous n'êtes pas bien renseigné. Non, c'est vrai, j'avais oublié déjà que vous... C'est vrai que c'est vous qui défilez, vous faites toujours la... C'est vous, oui, la robe. J'ai toujours les belles robes, absolument. Oui, c'est vous, la robe de mariage, comme ça. Bon, ben, je crois qu'on va arrêter là. Merci, Franck Lacroix. Mais avec plaisir, Christophe. Nous sommes très heureux de vous retrouver au Fouquet's à Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées, avec Victoire Finaz d'Abanico Chocolat. Bonjour Victoire. Bonjour Christophe. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Alors c'est un nouveau rendez-vous que vous proposez à nos amis parisiens. Et cette fois-ci donc au Fouquet's pour la présentation, toujours de votre collection de chocolat. Cette fois-ci pour Pâques. Voilà, exactement. Donc Abanico a été invité par le journaliste Michel Soyer, qui organise en fait tous les mardis du Fouquet's, où il invite un créateur. Donc là, il a invité Abanico et moi-même en tant que créatrice des chocolats Abanico. Donc là, on a dressé une table et on présente nos chocolats à la presse et à d'autres personnes qui viendront déguster. Et ça permet en fait, c'est vrai que Pâques est dans une semaine, donc ça tombe bien, mais c'est surtout pour faire découvrir la qualité de nos chocolats, nos différentes recettes. Alors dites-moi, vous allez prendre un abonnement à canal2vtv.fr parce que c'est la deuxième fois qu'on vous voit dans les émissions. C'est vrai, c'est la deuxième fois. J'ai eu la chance d'avoir un premier interview avec vous-même lors de la soirée de lancement presse. Donc je suis ravie que vous soyez partie prenante de l'histoire du lancement d'Abanico. Donc, merci beaucoup Christophe de me suivre. Alors le chocolat Abanico est un chocolat de prestige, ce qui nous vaut donc d'être dans cet établissement de prestige qu'est le Fouquet's. Oui, enfin, c'est aussi c'est vrai que je suis très honorée d'être invitée. Et Michel Soyer a apprécié les chocolats, trouvait que c'était vraiment de grande qualité. Donc du coup, il trouvait que Abanico avait bien sa place ici. Donc il nous a permis de venir ce soir présenter la marque.